Ok. C'est le deuxième boss où je m'arrête au plein milieu quand même. J'ai eu que 3 gemmes sur 6. L'étage est tout petit. Ah, il a se marrer encore. J'étais en train de me faire tourbillouler. Attends, avant de m'attaquer. Attends, 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 attends. Vas-y, pas chaud. Celui-là, 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 celui-là. Celui-là, celui-là. Celui-là. C'est bon, je suis là. Regarde, t'as vu, je suis là. Wow, 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 il y a 1 million de CD, là. Pouah, dans ta gueule. Ça mange pas, ça. Non, en fait, elle faut qu'elle fasse du disco, quoi. Faut qu'elle soit en train de danser. Si elle fait ça, ça sert à rien. J'ai compris. Montez au cerveau. Au bout d'une demi-heure de combat. Il faut plein de disques. 1 million de disques. Quand t'es parti dans du boss, ça doit être très chiant à speedrunner à cause de ce boss. Qu'est-ce qu'il fait? Arrête de taper, Luigi! Je vais pas danser, j'ai dit! Aïe. Plus de disques. Plus de disques. Encore. Je vais danser. La connasse. Elle me fait du tourbillon, la connasse. Pourquoi elle veut pas faire wouh ouh? Un wouh ouh. Ah, sur Luigi. Ouais, ouais, ouais. Ouh, ouh. C'est bien ça. C'était elle qu'il fallait toucher, pas les disques. Bravo Luigi, t'as fait tout le taf. J'ai préféré le battle de rap où je devais trouver le bon. Arrête, il y a forcément un... Je sens mal. Je m'en doutais qu'il y aurait eu un truc comme ça. C'était trop facile, c'était trop gros. À mort, j'aime pas la musique. J'aime rien de toute façon. Je veux voir les passages secrets. Donnez-moi du passage secret. Je casse des murs. Je casse le sol aussi, si c'est possible. Non ? Bah, tant pis. Elle avait combien de moumoutes ? Tant que là, il n'y a plus aucun fantôme qui va me faire chier, hein ? Hein ? Comme par hasard, vous voulez pas me casser les couilles, les fantômes, hein ? Vous avez peur. Bon, ça suffit. On va y jeter un petit coup d'œil parce que je sens qu'il y a pas mal de trucs. Déjà, il y a une petite lumière là en haut à gauche. Ok. Il n'y a jamais eu de DJ ici. Putain, une chauve-souris de merde. Et vous?
J'en ai encore raté un. Je vais avoir le game over, non pas à cause du boss, mais à cause des chauves-souris qu'il y a dans les moumoutes. C'est injustice. Détruit des vinyles, très bien. J'ai récupéré mes PV perdus, très bien. Il y a un peu de justice. Il me reste toujours 2-3 casques à récupérer. Hein. 3 gemmes. Non, c'est un boss caché. Les lingots, ils vont disparaître, abruti! Je vais me faire défoncer par tout le monde, là. Le gangbang là. Alors c'est très simple, c'est tous ceux que j'ai pas réussi à aspirer jusqu'à maintenant, j'imagine. Putain, vous êtes infinis les gars. Gang des rappeurs là. Le nettoyage à faire. Hein. J'avais oublié qu'il y avait le passage secret en bas. Carl me dit pas qu'il y a un Todd qui s'est encore échappé. Ok, alors, j'ai fini ce que j'avais à faire là. On va faire un petit check-up. Par contre, je sais plus comment on fait pour. Non, pas le choix. Hein. Ah, quoi que non. Labo, c'est comme ça. Allez vite fait au labo. J'ai besoin de me rappeler les bouts qu'il faut que je capture. J'ai commencé à en capturer 2-3 là. Vu le temps qu'il me reste. Enfin, je vais pouvoir faire quelques quêtes secondaires. Et les pensées sans compter. Oh. Ça me prendra de pas savoir où il est maintenant. Alors, les bouts, ils sont où? Alors, deuxième sous-sol, premier sous-sol. Premier, deuxième. Okay. Bon, deuxième sous-sol, on va s'en occuper. On va aller chercher le bout du deuxième sous-sol. Comme ça, j'aurais pu y retourner sauf pour récupérer les gemmes. Ça pourrait me faire que du bien. Par contre, il fait très sombre. C'est mieux éclairé que ça.
Allez, la chasse au bout peut commencer. Pas la bonne musique. C'est toi qui m'a cassé les couilles tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, c'était il y a une semaine. Ah, tu fais rien du tout. Laisse te capturer. J'ai des bouts à récupérer, moi, alors j'ai pas de temps. Ça va être très très chiant. Commence à le sentir, il est pas loin. Il doit être là. Faut trouver. Il y a des billets. Il me faut casser quelque chose. Oh, j'ai trouvé. Oh. Il me faut un projectile, s'il vous plaît. Un poisson, s'il vous plaît. Je l'avais déjà. Si, je suis bouillant. Il fait pas de chaud par ici. T'étais rapide toi. Oui. Donc un bout dans la belle collection. Le disco maintenant qu'un nouveau lot. Bien aimé toucher là-haut. Mais je peux pas monter. Tant pis. J'ai une musique partout.
ça veut tout dire. Hein. Putain, il y a la clé jaune là-haut qui me nargue. Ouh, de ma gueule là-haut. Ouch! Oh, j'ai bugué sur l'étagère! C'est pas un bug, mais bon. Alors, la mezzanine. On va y aller. On a un bout à chasser à la mezzanine aussi. Ça se passe là-bas. Genre des Wanted Luigi là. Et encore les traces de mon chien. Un truc là. Attendez, j'ai vu un truc là. J'ai vu un truc. Donne-moi ce que je veux. Sans douter. Il est beaucoup plus observateur quand même. Attention la peur! Casser les dents, moi. Vas-y. Ouais, genre, c'est des barreaux, non? Oh, encore de l'injustice, fais chier. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas trop vu de boue ici. C'est pas normal, ça. Pas de musique de boue, rien. Ouais, que j'avais chopé les boues ici, mais en fait. Bon, quel bout alors? Moi j'étais surtout venu pour les bouts, pas pour les gemmes. Ah! Ah, c'était cet étage là depuis le début. C'est là ce con. J'active un truc quelque part par ici. Dis-moi. Et là, hein. Ouais, t'es là-dedans. Bon, j'aimerais bien que... voilà. Moi, c'est Bougie. Et toi, t'es juste un loser sans ton frère. Alors, on va rechercher. S'il te plaît.
toilettes. Oh, tu vas ouvrir cette porte. Putain, j'y ai bon. Et moi, c'est Bougie. Et toi, t'es juste un loser sans ton frère. On fait attention, il y a l'autre fantôme là que je vais pas. Oh putain, je vais devoir tous ces agros du coup. Pas vu. Rien à foutre. Occupé. Je chasse du bout, moi. J'ai même plus de respect pour les fantômes, tellement ça me saoule. Faut tes lumières, moi. Cette lumière était allumée, ça me plaisait pas. C'est moi. Ah putain, il faut pas que je me trompe en fait depuis le début. Nya, 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 nya. Là, c'est monté au cerveau. C'est pour ça que j'ai réussi du premier coup contre... Ouais, j'ai bien fait de... Oh putain, il y a l'autre qui me casse les couilles maintenant. Oh, c'est bien fait pour ma gueule. Et que ce que je mérite. Viens là, toi. Toi, je t'aime bien. Non, non, viens là. Viens là, je t'ai dit. Où arrive-t-on? Ils sont devenus roleplay en plus. Plus efficace avec un budget. Voilà. Eh, mais toi, c'est. Ah oui, je t'ai pas capturé, c'est vrai. Ah, reviens là, toi. Non, non, tape pas, tape pas, tape pas. Putain. Cassez les couilles, celui-là. Viens là. Il est où, Luigi? Il est en train de se faire martyriser par le connard là-bas. Viens là, toi. Ah, c'est un jeu où j'insulte tout le monde. C'est... Ah, les pièces. Le jeu de l'injustice. Approche. Oh putain, ça va être chiant de le trouver. La poubelle. Et moi c'est Bouilly. Je déteste qu'on me parle de mon frère. Dis toi. Ouah, de gauche en diagonale de partout. Blablabla. Ah, j'ai cru que je l'avais eu. Il est derrière. Où est ce con? Viens là, toi. On fout des pièces. Viens ici. T'es mort, 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 mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Et ça fait deux bouts capturés. Deux. Il était plus chiant, celui-là. Il m'a fallu capturer je sais pas combien de bouts parce que j'avais que de la luck jusqu'à maintenant. Depuis le début, il fallait pas que je me trompe d'objet. Bon, on a récupéré un gemme en plus. Alors, on a tout fait tout ça. Le gyroscope qui part en couille. Donc la tremblote, c'est... Pas bouger. Alors, on a fait le deuxième sous-sol, on a fait le premier sous-sol. Ça, ouais, je m'en rappelle bien. Les boutiques. Salle de concert. J'ai perdu celui-là. Ah non, celui-là, c'est les chambres. Médiévale. Ça, c'est la zone avec les plantes. Ça, c'est le studio. L'archéologie. Pyramide. La magie. La zone de pirates, la salle de sport que j'ai fait aujourd'hui et le discothèque que j'ai fait aujourd'hui.
Donc la semaine prochaine, il me restera plus que le toit et l'autre connasse qui m'a cassé les couilles. Parce que c'est elle, hein, la cause de tous ces problèmes. Bon, là, je dois aller... Ah, dans la zone avec les lits, en plus. Faut que j'en suis là. Il y a un bout dans la suite RIP, normalement. Je n'ai pas chopé. Boutique, ça, ouais. Il me semble que c'est ça, hein. J'en suis à cet étage-là, au niveau des chasses au bout. De toute façon, j'ai encore des gemmes à choper ici aussi. C'est sombre de ce côté-là. Donc ici, pour rappel, c'est les chambres du début du jeu. Que pour avoir accès en dessous, j'ai juste appuyé là et je me retrouve au sous-sol. Bon. On va voir s'il y a un bout, il va falloir que je continue. Il y a un bout. Je le sens bien. Et plus du tout où sont les gemmes. Il y a quelque chose là-dedans. Faut le trouver, hein. C'est calme. Là, c'est pas assez fort. La musique aide beaucoup. Ça paraît pas assez fort ici. C'est pas la table de nuit que je voulais, c'était l'autre. Moi c'est Bulldog, sauve-toi ou je te mords. Allez, va chercher encore. Il est à l'autre côté, il est à l'autre bout. Où arrive? Je m'y suis planté. Et tout là-haut. Même pas. Je veux dire que je t'ai pas senti à l'autre bout alors que là, je te sens pas du tout, quoi. Après, est-ce que les bouts ont une odeur? Je sais pas, mais... Je le sens pas, là. Je sais qu'il y a des méchants. Les lumières sont tellement éteintes, ils me forcent à aller voir les fantômes que je voulais esquiver depuis le début. Est-ce combien de gemmes à choper? La moitié. C'est un gros étage, hein. Non, il est à côté. C'est l'autre pièce. Et au niveau du lit. Même pas. J'y avais cru. Ah non, tu vas pas me refaire le coup de la... Putain, l'enfoiré! J'ai le cœur, moi. Non, deux fois, je me fais arnaquer. Putain, il est par là. Joueur plus sympa. Donc, il n'y a pas un truc là?
Vous feriez pas une poubelle hantée par hasard? Va chier. Vous êtes une poubelle à chier. Oui. Oh non, il va me refaire le coup. C'est fort. Mais c'est chiant, j'ai une chance sur deux. Un, deux, trois, quatre. D'accord, ça c'est ce côté-là. De l'autre côté, on a un, deux, trois. Ouais, ça me paraît plus fort ici. Moi, c'est le Moondog. Et toi, t'es mon nonos. Moi, j'ai déjà trouvé. Ici. Hop, hop, hop. Tu viens ici, je t'ai dit. Oui. Je récupère 2-3 lingots et je suis à tout. Gyroscope de merde. Ballon de foot. Ok, allez, on a le temps pour un dernier petit bout là. Ok, on se casse. On va faire la suite médiévale. Il y a vraiment des étages où je vais regretter de faire les bouts. Mario. Voilà, j'ai flippé. Hein. Il y a plein de pièges qu'il faut que j'évite et tout, rappelez-vous. Est-ce que vous pensez qu'il y aura Booker T? Bookmaker peut-être. Boulanger. Bouclier. Voilà, il va s'appeler Bouclier celui-là. Deux armures en plus. Ça m'a pas du tout manqué ici. On s'en approche. Putain, enfoiré. Il est dans l'un des armures. Il est dans celui-là. Je suis Bousquetaire. En garde. Je me débarrasse de ça parce que ça me casse les pieds. Pif sur ce côté. Ça commence à être un... En fait, les gros endroits, c'est chiant parce qu'on ne peut pas très bien viser. Oh putain, il est à 11. Il va me casser les couilles. Ah, je l'ai raté deux fois.
J'ai eu. Je vais avoir le melon. Alors, si j'ai bien compris, il y a un passage ici. À côté. Alors. C'est juste ce banc quoi. Je le repousse de l'autre côté. Comme ce truc il est bien fait. Vas-y, coupe-moi ce truc en deux. S'il te plaît. Coupe-moi ce banc en deux. J'ai vu le passage secret, coupe-moi ce banc en deux. Juste que j'arrive à trouver le moyen d'activer leurs armes. Il n'y a pas un petit projectile ou quoi que ce soit là. Une épée, ça serait bien. Chelou. Chelou ici. Je cherche un... Ah bah je l'avais pas celui-là, nickel. Surtout je vois un saut là, qui m'intéresse à mort. Alors. Putain, je veux plus me le dire. Non, je voulais pas. Moi le résultat est là, si je peux passer la porte. De me prendre pour un con, il y a une putain de porte ici. Ah bah non, c'est la porte de... D'accord. Il n'y a rien dit, c'est la porte de derrière. En fait, c'était un accident d'avoir trouvé cette gemme. Tant pis. Attends. Je m'en doutais. Les petits détails qui me font perdre mon temps. Bon. Hein, Luigi, ça passe au travers. Les projectiles sont fous. Par contre, Luigi, t'as un beau chapeau. Va falloir double appui au moins 4 fois pour que je puisse enfin me débarrasser de Luigi. Hein. Enfin bref, toujours est-il que c'est bon pour moi. Ça fait pas mal aujourd'hui. Hein. Faire un petit résumé de tout ce que j'ai capturé.
Alors, au niveau des fantômes, voilà, on sent bien que les fantômes, c'est le deuxième lieu. On sent bien que ces fantômes-là, voilà, ils sont variés, ils ont plein de techniques, ils sont très chiants. Je suis mort à cause d'eux, quand même. Ça, faut le faire. Au niveau des boues, bouillant, kabouille, boogie woogie, bougie, boubou, bougie numéro 2, alors là, je sais pas, boigi, bougie, bulldog, bousquetaire. Ça c'est le 7ème étage, je l'ai pas encore. On verra ça peut-être la semaine prochaine. Boubine, Bourranosaurus. Après j'ai les derniers étages parce que je les ai rushés. Donc il manque encore pas mal, mais j'ai une belle collection de boues. Peut-être que la semaine prochaine je vais m'attaquer que aux boues parce que j'ai l'impression qu'il faut que je capture tous les boues pour que je puisse faire le dernier étage. Je pense qu'on va peut-être faire ça d'ailleurs. Ensuite, au niveau des fantômes notables, deux nouveaux compagnons. On est obligé d'attendre les chargements. Alors, Walter Polo et DJ Fantasmagloria. Donc, il me reste plus que le dernier fantôme. Donc, on se demande bien qui c'est. Hein. Donc, au niveau des fantômes rares, je suis doué comme un cul. Hein. Les fantômes rares, il n'y en a pas. Il y a bien deux fantômes, un doré et un en diamant. Je pensais que c'était bon, mais en fait, non, ça ne marche pas. Ensuite, au niveau des gènes. Bon, ça, ça n'a pas changé. Alors que j'ai vu la clé à molette jaune, il va falloir que je la chope. Ici, il y a toujours au moins une gemme qu'il faut que je récupère, mais j'arrive pas à l'atteindre. Et une deuxième gemme, je ne sais pas où elle est. Ensuite, là, j'ai une gemme que j'avais vue, mais il faut que je la récupère aussi. Là, j'en ai récupéré une de plus. Là, ça n'a pas changé. Là non plus. Là non plus. Alors que j'aurais pu. Hein. Ici, j'ai récupéré une gemme, du coup, par accident. Là, ouais, j'ai du taf, là. Là, ouais, j'ai encore un peu de taf aussi. Là, j'arrive pas à trouver le dernier, ça m'énerve. Je pensais que ça serait pour la première fois cet étage-là, mais en fait, non. Ici, ah ouais, je suis pas loin non plus, là. Ah oui, le niveau pharaonique, on est bien. La suite illusoire, il me reste plus que le bout et j'ai fini l'étage à 100%, logiquement. Bon, ça, j'ai encore beaucoup, il y a trois salles. Hein. Là, putain, ça m'a cassé les couilles, les fantômes de base m'ont cassé les couilles. Et ici, j'ai trouvé la salle secrète et tout, donc il me reste plus que le dernier étage. Donc la suite maîtresse, il y a encore des gemmes là-haut. Finalement, je vais peut-être commencer par la suite maîtresse et après... Donc voilà, voilou, c'est ainsi que se termine cet épisode. Épisode où je me suis bien énervé, surtout dans la salle de gym. En tout cas, c'est bien. En espérant que ça vous énerve pas trop, mais je pense que ça vous plaît de me voir m'énerver encore sur un jeu qui est pourtant tout con. Un jeu qui est interdit Un jeu 7 ans et plus, c'est ça. Hein. Ouais, gagné, un jeu 7 ans et plus, je m'énerve. Trop bien. Est-ce qu'on se marre? Mais bon, ça ne vaudra pas un Super Mario Maker 2 où je m'énerve beaucoup plus. Et que ça vous amuse encore plus. En tout cas, on se retrouvera mercredi pour un OTK Live. OTK Live qui a lieu sur Edo Pro maintenant. Hein. C'est fini, Percy. Les OTK Live ont lieu maintenant sur Edo Pro pour ceux qui veulent participer. Donc, il faut installer Edo Pro. Et il faut savoir que depuis la semaine dernière, je m'amuse à le personnaliser à mort. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements par rapport à la semaine dernière où... Les musiques, ça me plaisait pas et tout. Là, j'ai mis vraiment des musiques. J'ai même peur pour certaines musiques avec des droits d'auteur. Donc, c'est pour dire. Vous allez voir, j'étais un peu trop fort quand même. J'ai encore 2-3 trucs à paramétrer. Mais voilà. Edo Pro, c'est un Edo Pro perso. C'est plus un Percy que j'ai pas programmé. Là, c'est vraiment outillé. Hein, la musique et tout. Là, Ensuite, on se retrouvera justement samedi pour notre séance hebdomadaire de souffrance. Mais souffrance pour moi, bonheur pour vous, c'est la séance de Super Mario Maker 2 dans lequel vous me proposez vos niveaux. Et généralement, il y a toujours GD Balls qui me file un petit niveau troll pour vraiment m'occuper. Merci à lui de me filer ce genre de niveau, comme ça fait passer le temps, etc. Sinon, c'est les niveaux populaires. Je pense que je vais aussi faire le défi des 100 Mario le temps. Hein. De temps en temps, même si c'est un défi easy, je pense que je vais peut-être partir un peu plus vers les défis des Mario normaux, que je puisse bien m'échauffer, parce qu'en easy, disons que c'est pas que easy, hein, c'est vraiment, tu vas d'un point A à un point B, c'est fini, rien au milieu. Mourir, c'est faut presque le faire exprès, je dis bien presque, hein. Parfois,
Et des concepteurs de niveau, ils sont à fond. Et enfin, on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite et la fin de l'histoire, normalement. Et peut-être les étages bonus et peut-être plein de trucs, hein, parce que je connais pas tous les contenus, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que... Il va falloir que je fasse de l'exploration de gemmes, il va falloir que je chasse les derniers bouts, il m'en reste plus grand monde. Et les derniers nonos. Pour l'instant, toujours pas de game over, mais beaucoup de morts. Hein. Je suis mort beaucoup trop de fois. Donc, on voit vraiment que c'est pas un jeu facile quand même. Des moments où tu grinces les dents, tu t'énerves parce que tu essaies de faire un truc, ça veut pas faire comme tu veux parce que le jeu est pas sympa avec toi. Enfin, voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai toujours ce défaut de maniabilité. Hein. C'est plus fort que moi, il faut que je l'utilise. Mais pour me comprendre un peu. Hein. Au niveau aspiration, ça va encore. Mais à partir ventouse, lancer de projectiles sur les adversaires, j'ai tellement de mal, c'est tellement horrible. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de bouée, tout va bien. Voilà, sur ce, moi je vous dis bonne nuit plus plus. Ciao, c'est Jean.